La meilleure protection des lanceurs d'alerte, c'est finalement l'exercice des droits citoyens. Et si on exerce ce droit, finalement, c'est assez simple. Parce que plus il y aura de citoyens qui exerceront leurs droits, et plus le lanceur d'alerte sera protégé, puisqu'on sera dans une société, non pas maison de verre sur la vie privée des gens, bien évidemment, mais sur les affaires publiques. Les affaires publiques sont publiques. La dernière page du Canard enchaîné dit ça très bien. La liberté de la presse ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Eh bien, la liberté des citoyens, c'est pareil.